Non, pas du tout. Dès le départ, on a toujours pensé lors du début de cette pandémie et autres qu'on allait pouvoir y arriver pour la Pentecôte. Et donc, je n'ai jamais pensé qu'on en arriverait à mettre notre folklore en... Comme la plupart des marcheurs, une profonde tristesse parce que c'était la première fois, en tout cas pour Anzine, c'était la première fois qu'on ne marchait pas à la Pentecôte. Donc les deux guerres n'ont pas empêché que les Anzinois marchent, mais malheureusement le coronavirus nous a empêchés. Donc ça a été vraiment une profonde tristesse, tout en comprenant aussi ce qui se passait. On n'était pas dans le cadre d'une grippe ou autre, on était tout de même dans quelque chose de sérieux. Donc voilà. Ça a été compliqué parce que c'est quand on a été habitué pendant 42 ans de marcher, on a une certaine habitude, une certaine routine. Il y a des préparatifs dans le village, il y a les collègues enfin, qui nous préparent à cette Pentecôte. Ça a été spécial. On a eu dans notre malchance de la chance et qu'on a pu produire un petit film donc avec les tambours. Et ça nous a permis de nous mettre dans l'ambiance de manière virtuelle. Maintenant, c'est clair que le dimanche matin, le dimanche midi, plus les heures avançaient, plus c'est vrai, c'était compliqué parce que, bah, évidemment, quand on l'a fait pendant autant d'années, bah, c'est un vide. Vide qui a pu être comblé par certaines choses qui ont été faites, mais voilà, on reste sur une sensation particulière. Évidemment, la même chose pour la Saint-Auger. La Saint-Auger étant la marche du village. Hein. Faut jamais oublier que Saint-Auger et Saint-Roland sont liés historiquement. Pour rappel, le lundi de Pentecôte à 5h15 ou 5h25 au matin, ça dépend parce qu'Anzine est toujours un petit peu en retard. Les deux chasses se croisent ici. Et donc Saint-Auger rentre sur Anzine et Saint-Roland part sur Tarsienne. Donc voilà, c'est un des moments les plus importants qui nous a manqué cette année. En tout cas, je parle pour moi. Ouais, bah, je dirais le dimanche. Cette année, on a commencé samedi parce que je m'étais promis de faire une fois le Tour Saint-Roland en vélo. Je l'ai toujours fait à pied et autres, donc on l'a fait en vélo pour se permettre une fois de voir dans les villages. Parce que quand bien même les festivités de Pentecôte étaient annulées, il y avait tout de même pas mal de choses intéressantes à voir dans les villages. Le dimanche midi, un repas chez des amis, pour ne pas perdre en tout cas cet esprit de camaraderie et autres. Et puis à 17h, le corps d'office avait prévu donc une remise d'une gerbe au niveau du monument des marcheurs qu'on a inauguré il y a 2 ou 3 ans. Et puis on est venu ici à la chapelle Saint-Auger. 2 ou 3 tireurs ont fait une décharge. Et puis le dimanche, c'est pratiquement limité à ça, avec quelques tambours qui ont défilé au niveau des rues, mais évidemment un nombre excessivement restreint et loin d'être ce que c'est d'habitude, quoi. Le lundi tôt matin, je vais dire que c'est la première fois que je brosse et que je ne fais pas le réveil, que je ne suis pas là très tôt en usine. Voilà, peut-être que le cœur n'y était pas non plus, mais je sais que le lundi matin, certains tambours ont souhaité faire un petit hommage au niveau de l'église. Voilà, je pense que c'est ce genre de choses qui fait aussi que ça, cette Pentecôte a pu passer d'une manière différente. Après, je me suis permis pour une fois de faire le Tour Saint-Auger complet, que je ne fais jamais puisque la compagnie ne fait pas le Tour Saint-Auger habituellement de manière complète, donc partir dans les champs et autres, c'est un tour de 6 km. Et puis à midi, j'ai été retrouver mes parents parce que durant cette période Covid, mon père a été touché. Donc si quelqu'un peut parler du Covid, je pense que moi je sais ce que c'est. Donc voilà, ça n'a pas été facile, mais bon voilà. Donc j'ai pu le retrouver le lundi de Pentecôte. Ça faisait quelques jours en tout cas qu'il pouvait sortir. Donc ça a été des retrouvailles au niveau d'une Pentecôte. Ça, c'est clair, ça a été un des plus beaux moments de cette Pentecôte. Et pour le lundi, ça s'est limité à ça, alors que d'habitude c'est un jour excessivement complet. Et le mardi matin, on avait convenu de remettre une gerbe au monument aux morts et au cimetière ici à Anzine.
Et donc à 10h45, c'était terminé. Et pour la première fois depuis que je travaille, ben, j'ai travaillé le mardi de Pentecôte, ce qui est tout à fait extraordinaire. Et pour ceux qui te le diraient probablement, c'est peut-être la première fois de ma vie aussi que le mercredi de Pentecôte, je suis aussi frais pour aller travailler. Bon, le plus triste moment, j'en ai touché un mot tout à l'heure, c'est clairement pour nous, en tout cas les Anzinois, bah, c'est ce moment à 5h25 au matin ici à la chapelle d'Anzine. Évidemment, ça crée un manque, un vide qui est un vide important. Et le plus beau moment, bah, c'est d'avoir retrouvé mon père un lundi de Pentecôte. Bah, c'est tout de même quelque chose d'important. Lui est marcheur depuis beaucoup plus longtemps que moi et a été un des piliers aussi de cette marche d'Anzine. Donc voilà, il y a eu du mauvais, mais il y a eu du bon aussi. Ouais, ça, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui nous a permis de tenir? Ben, je vais dire que moi, je suis un convaincu du folklore. Le folklore, c'est quelque chose qui coule dans nos veines, qui émane des gens qui vivent au niveau d'un village. Et j'ai toujours cru et je croirai toujours que le folklore l'emportera sur tout le reste. Donc il y a eu les initiatives qui ont été mises en place, des tambours qui jouaient tous les jours pour remercier le personnel soignant et autres. J'ai participé parce que je trouvais que c'était une manière différente de montrer, on remerciait le personnel qui était en première ligne, mais on mettait aussi en avant notre folklore qui est un folklore qui est tout de même séculaire, qui est enraciné tout de même depuis de nombreuses années dans notre centre émeuse. Et c'est vraiment ce genre de choses, la camaraderie, parce que c'est clair, ben, il y a des amis qui jouent, on joue ensemble, même si on a distance dans les chœurs, on est ensemble. Et puis, ben, on va dire que les médias, l'Internet et autres nous permettent aussi de nous replonger dans des années particulières avec des événements particuliers. Donc je pense que c'est tout ça qui a fait que ma famille et mes amis, en tout cas avec qui on a l'habitude de faire la Pentecôte, ont pu passer une Pentecôte différente. Parce que je ne dirais pas une Pentecôte... ça a été vraiment particulier. Je pense que ça restera à jamais gravé dans la mémoire de chacun, mais il faut en retenir une chose, la santé est bien plus primordiale que de défiler avec une compagnie. Écoute, moi je suis tombé dans la marmite quand j'étais vraiment tout petit, quoi. Il faut savoir que Serge Benedini, qui est un fifre connu dans notre centre émeuse, m'a tenu dans ses bras que j'avais 3 ou 4 jours. Donc le virus, il a été injecté très tôt, mais le virus des marches. Hein, donc, bah, mon père a marché tambour-major pendant de nombreuses années. Donc bah, évidemment, j'ai suivi ses traces et autres. Donc ce lieu bah, représente tout. Pentecôte, ben, sans passer ici, c'est pas une Pentecôte. Qu'on soit croyant ou pas croyant, ben, c'est l'endroit, en tout cas, et c'est le, on va dire l'emblème du village, cette chapelle de Saint-Auger. On a de la chance d'avoir des gens, en tout cas, qui s'en occupent et qui s'en occupent relativement bien de nos jours. C'est tout de même rare, il faut saluer ça aussi. Vivement 2021, ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Maintenant, ben voilà, je pense que de toutes les crises qui peuvent se passer et autres, on doit retenir certaines leçons. Il y a des leçons à retenir, je pense qu'on n'est pas... vaut mieux avoir des événements encadrés que systématiquement d'interdire, parce que quand on interdit, ça crée de la frustration, et quand ça crée de la frustration, il y a du dérapage. Alors on peut prendre des leçons de la part de qui que ce soit, on voit ce qui se passe à Bruxelles, ailleurs, il y a des dérapages qui se font et autres, mais je pense que ça mériterait, si un jour on doit se retrouver dans une situation pareille, ce que je ne souhaite pas, soyons clairs, de réfléchir différemment. Parce qu'on peut marcher différemment, mais il faut réfléchir différemment aussi.